Allô, madame Bessé, bonjour, bonsoir pour tous les amis qui sont sur la chaîne Parler Haïti. Si on a l'autre plaisir, l'autre occasion, je vais tourner sur la plateforme avec une autre nouvelle en détail. Nous saluons tous les amis qui branchent, qui attendent, qui regardent Parler Haïti. Salutations par nous spéciales, que Papa Bon Dieu continue de bénir nous. Nous saluons tous les fanatiques inconditionnels Parler Haïti, fanatiques qui toujours partagent chaque vidéo. Si là, qui toujours fait opinion au passé, merci en pile, que grand Dieu et Jéhovah bénisse nous. Merci en pile. Allez, information et FBI, eux-mêmes. Et yo entre kay ancien président Jovenel Moïse, yo jwenn an pile bagay comme preuve madame Bessé pour enquête là capable continuer. Yo sorti avec plus passé de 4 mallettes chargées avec preuve yo prend pour capable mener bon gens investigation pour arriver mettre la patte madame Bessé sous auteur crime yo. Eh bien, et tout, madame Bessé, nous avons quelques informations cap domine actualité en Haïti là maintenant. Eh bien, il y a plusieurs personnes dans le quartier Morin, dans notre pays. Eh bien, je dis à la, madame Messier, les gens ont levé campé, ils prennent la rue, une autre fois encore, pour demander justice pour le président Jovenel Moïse. Dans Plaisance, eh bien, dans Plaisance, je dis à la, en pile paysan, dans Plaisance, spécialement dans quelques sections, eh bien, ils ont lancé un message, pour te faire connaître, il y a un pile côté qui parle de l'eau, ils ont même récolté là, censé perdu parce que pas gain l'appli et au besoin aide autorité pour être capable faire bon gens canal. Voilà, madame messieurs, nous pour aller dans département nord-ouest pays, information nous joine là dans Safolé. Dans Safolé matin là, gain plusieurs nèg avec gros armes dans main et bien qui barrer route nationale là, route là qui menait port de paix avec la tortie, et bien ça qui cause moun pa ka fon pa kita, on pa nago madame messieurs. C'est beaucoup causé dans la République. Bon, pour le dossier FBI, là, nous connaissons et nous parlons de plus de détails avec plus d'actualités dans les confrères camarades dans les Caraïbes. Nous parlons de plus de détails des enquêtes qui parlent maintenant pour le président Jovenel Moïse joindre justice. Sur la chaîne Parler Haïti, partagez, abonnez, entendez plus de détails de comment Mme Messier et l'investigation ça va déraper. Côté FBI, déjà, je n'ai pas pile preuve qu'il est président. N'abtonnez. Sénat et président avancé chaque jour il y a de nouveaux éléments dans enquête là enquête qui impliquait désormais agents FBI américain qui souterrain à côté police scientifique haïtienne pour faire lumière sur le crime ça. Oui, je sais qu'à hier en tout cas membre FBI qui a curé agent dans police nationale là était trouvé dans résidence président Jovenel Moïse qui était mort assassiné 7 juillet passé. Enquêteur yo a pas cherché joindre preuve par rapport à Zak assassinat ça et selon premier élément information yo Van Beuf givé collecté au fait qu'on a que gagné et puis la preuve qui est pour avec meurtre chef l'état que yo joindre dans KL. Donc après un bon temps, il a passé jusqu'à 5 heures après-midi hier, l'homme membre de la police scientifique haïtienne qui était gagné, en tout cas il a allé avec plusieurs tests qui emballés dans un sac en plastique ou bien sac en papier. Donc FBI, donc monsieur qui fait environ 6 voyages, a transporté preuves, sorti dans CAI président pour aller dans un camion qui était tout près. Et aller dans l'espace à Kyo. Donc, nous étions pourtant qui prend le résultat cap vini après agent FBI, c'est l'autre personnel ressource dans DCPJ avec la police colombienne qui ont même bien des scientifiques capables ici. Donc, ils sont tous là pour capables mener enquête. Là. Bon côté, la police nationale d'Haïti, côté gagné environ 23 monde déjà après appelé qui a arrêté 18 anciens militaires colombiens avec 5 citoyens haïtiano-américains. Un mésoconservatoire qui prend compte 24 agents et responsables unités spécialisées qui eux-mêmes étaient là pour assurer sécurité président républicain Jovenel Moïse. Donc la police nationale qui a annoncé eux-mêmes il a pu continuer avec enquête là et gagner parquet Port-au-Prince nous apprendre qui
eux-mêmes à travers commissaire gouvernement AI bon côté tribunal pour instance Port-au-Prince Lambert Fort Claude qui dans une correspondance les voyait by directeur immigration avec immigration Joseph Siansou Sioli jeudi 15 juillet hein, les modèles pour le passé instruction nécessaire à service concerné en façon pour interdire responsable sécurité président qui a qualifié de présumé assassin quitté payant maître Bedford Claude chef paquet ben li interdit pour quitter payant là tout responsable unité spécialisée yo regardé ça yo n'a rappelé qui était invité pour aller dans un parquet. On a parlé de Dimitri Erard, qui est responsable unité sécurité générale Palais National, qui est en isolement. Et commissaire police Léandre Pierre Audemars, responsable unité sécurité présidentielle à USP, inspecteur principal Amazon Paul Eddy, responsable CATIM, commissaire divisionnaire Jean Angel Civil, coordonnateur général sécurité présidentielle. Donc tout le monde est interdit pour quitter le pays d'après une correspondance parquet voué by service immigration. Enquête là capable poursuivre sous assassinat président Jovenel Moïse plusieurs monde en barcode haïtien et étranger policiers qui au responsable unité qui était impliqué directement dans sécurité présidentielle là plusieurs dans isolement entre-temps président américain allié caté l'idée pour t'avoir soldats américains en Haïti contrairement à demande gouvernement démissionnaire Claude Joseph là Joe Biden fait qu'on est États-Unis à dépêcher plutôt soldats en Haïti, mais c'est pour assurer sécurité ambassade yo gagné en Haïti. Et quant à l'idée pour envoyer troupes américaines dans le pays, pourquoi elle est là, ça fait ça beaucoup sous table. Et de l'autre côté, mercenaires colombiens qui a impliqué dans l'assassinat du président Jovenel Moïse, là, yo fait qu'on est, yo te gagné mission pour arrêter et puis remettre libre à l'agence antidrogue américain d'hier d'après autorité pays Colombie qui yo même pas écarté possibilité pour yo ta tromper mercenaires toutefois et yo reconnaître quelque là d'ailleurs capable de connait objectif criminel opération hein. Plan d'après porte-parole plan d'après parole mercenaires c'était organisé arrestation président et puis mettez-les à disposition d'hier d'après général Odier Vargas, chef police pays Colombie. Oui, je n'ai pas gagné pour nous finir avec le reportage Johnny et Ferdinand. Tout à l'heure, côté gagné un 10-5 informations qui collectées dans le cadre d'enquête ça, qui n'a pas montré un lien entre le premier ministre Claude Joseph avec, en tout cas avec les crimes qui fait contre le président républicain d'après DGPNH. Oui, DGPNH là, Léon Charles qui voyait jeter accusation au journal colombien notice. Caracol, nous t'ai dit hier qui fait quoi Claude Joseph Tayonan, l'auteur intellectuel des assassinats et sous président républicain Jovenel Moïse, chef police PIA, qui dit les bénéficiaires accompagnement technique FBI à Claude enquêteur international dans affaire ça. Fait qu'on est jusqu'à présent, ils ont arrêté 23 mounes, 27 auditions réalisées, 7 mandats d'amener lancés avec 24 PJ conservatoires contre policiers, plusieurs policiers responsables, unités et spécialisés. Faut que nous dit c'est presque même déclaration ça tout qui fait bon côté chef de police colombienne qui lui-même t'a dit démenti en tout cas les paroles qui sorti dans médias colombiens yo nous t'a dit nous pourquoi nous pas gagné aucune information non sans ça nous pas connait qui côté information ça sorti d'après général colombien qui t'a dit yo pas au courant. En tout cas, c'est un lien entre crime et le premier ministre Ayan, docteur Claude Joseph, contrairement à un journal colombien qui lui-même t'a dit tu as gagné un lien entre crime et le premier ministre nos démissionnaires. Alors, Claude Joseph, selon Noticias Caracol. Oui.
Ancien député circonscription La Vallée, Jacques Mella, Franck Clôture, attiré attention tout groupe Cap Goumen pour prendre tête l'État après assassinat Jovenel Moïse Lan pour sous nécessité pour mettre intérêt personnel yo sous côté pour chercher plutôt un accord qui impliquait tout secteur pour planifier gouvernance l'État. Franck Clôture estimé acteur yo doit joindre une solution haïtienne dans crise ça pendant y a priorisé intérêt Haïti à tout le monde cap vive là-dedans selon ancien parlementaire qui ont fois encore attiré attention tout groupe cap Gomeyo pour prendre tête l'État après assassinat et président Jovenel Moïse dans sa nécessité pour mettre intérêt yo sous côté pour chercher plutôt un accord qui impliquait tout secteur dans la vie nationale. On va venir avec une déclaration ancien député Franck Clôture tout à l'heure, mais nous allons rejoindre Johnny Ferdinand qui lui-même en tout cas réalisé reportage ça qui vient pour eux avec démenti DG PNH non Léon Charles qui voulait jeter accusation journal colombien Noticias Caracol qui fait croire Claude Joseph Taguin, un haut intellectuel assassiné, président républicain Jovenel Moïse, chef police paysan qui dit qu'il bénéficie d'accompagnement technique FBI et que l'autre enquêteur international nous a fait ça. Fait qu'on est jusqu'à présent, il a arrêté 23 monde, 27 auditions réalisées, 7 mandats d'amener lancés avec 24 mesures conservatoires qui prend contre plusieurs policiers avec responsable unité spécialisée. Johnny Ferdinand. Environ 8 jours après nèg ak gros am fan fwa, mêlé ak toute qualité lot gros matériel fin maspiné, krabiné, assassiné ancien président Jovenel Moïse, la kayeli nan Pèlerin 5, Noticias Caracol vin ak yon nouveau remondissement dans dossier. D'après chaîne média colombien, ancien premier ministre AIA Claude Joseph pata innocent nan zak assassinay ki fèt sou ancien patron Agritrans lan. Noticias Caracol fè comprendre nan travail li a, yo gen bon jan élément nan men yo ki ta prouvé ak ancien ministre affaires étrangères gouvernement joute là ta yon nan hôtel intellectuel yo si yo fait témoignage toi nan colombien yo arrêté yo ta fait devant enquête haïtien ak FBI yo moins passé 24 heures après nouvelle sa yo qui fait la viron réseau social yo la police nan pays d'Haïti pas prend temps pour réagir d'après directeur général AI police là Léon Charles nan toute audition qui fait yo jusqu'à jeudi 15 juillet pas gen aucun indice aucun élément qui lié docteur Claude Joseph ak assassinat Jovenel Moïse là. La police bénéficie de l'accompagnement technique des enquêteurs du FBI et plusieurs autres techniciens étrangers. Les indices et autres informations collectées dans le cadre de l'enquête ne révèlent aucun lien avec le premier ministre Glass et les suspects n'ont fait aucune révélation sur ça. Enquêteurs haïtiens, enquêteurs FBI, sans compter une quantité l'autre enquêteur international, enquête là avancé sérieusement. Si une quoi chef police là qui dit tout le monde tête frette, yo sous bon piste, yo pas loin rivé. Léon Charles annoncé jusqu'à journée 15 juillet, la police déjà marré concrab 23 individus dans le cadre de la mort tragique Jovenel Moïse là. Des Américains qui gagnent code lombrit yo marré dans le pays d'Haïti, 3 haïtiens, 18 colombiens, 3 l'autre colombien même, te gen tan bwè dlo dan yo, sans compter yon série l'autre individu, fos l'autre yo di ap chache konsyen fou nan kat dossier. La justice a lancé 7 mandats d'amener et 4 individus sont recherchés. Plusieurs auditions ont été réalisées par le DCPJ. 10 bâtiments ont été perquisitionnés autour de l'enquête judiciaire et sur le plan administratif, 24 mesures conservatoires ont été prises à l'encontre de plusieurs policiers et responsables d'unité et 4 sont placés en isolement. 27 auditions ont été déjà réalisées. En pile, moun pa ka dormi la nuit. Y a posé question comment assassin Jovenel Moïse yo fait rentrer jouk nan chambli ak toute facilité ça, même yon chien pa jape aller voir pour coup de visite à Femi Kalao. Gen l'autre qui allé plus loin même pour mande qui côté policier USGPN, USP 4 team yo teye même. En tout cas, la police confirmé, c'est tout bon vrai. Gen plus passé yon 20aine mesi conservatoire qui prend compte plusieurs policiers ak responsable unité spécialisée. 4 la dan yo trouvé yo nan moment n'a parlé là, nan isolement parmi yo responsable USGPN là, commissaire Dimitri Erard. L'ex-responsable de l'unité sécurité du palais national qui joue une convocation de l'inspection générale, le cadre de quelle administrative. La première convocation, t'es commandé conservatoire. La deuxième convocation, bien entendu, mesure conservatoire, il a été relevé de son poste. Et deuxième convocation maintenant, il a placé en isolement
en attendant que l'autre étape de la procédure là. Depuis jour la mort, ce n'est pas ni deux ni trois paroles qui parlent. Dans la presse, l'autre bord de l'eau, sur les réseaux sociaux, c'est grève. Ça qui pousse observateurs à viser, poser question sur l'avenir enquête ça, les considérer dossier à virer là en spaghetti, en paille de fait. Qui est-ce qui touille ancien président Jovenel Moïse? Qui est-ce qui a gagné intérêt dans assassiner ancien Nègbanan? DGPNH l'a dit, population, mettre poser tempo relax, pas prendre en diversion, quitter la police, faire travail jusqu'à ce qu'enquête là aboutit. La police nationale d'Haïti met en garde que toute manœuvre de diversion renouvelle sa détermination à l'enquête en cours jusqu'à son aboutissement. Journal colombien, Noticias Caracol fait quoi? Docteur Claude Joseph, c'est un gros suspect. L'Itadoué vient dit la police avec la justice, ça le connaît dans l'homme Jovenel Moïse là. Selon information, yo, chef police pays Colombia, t'a dit yo même, yo poko vraiment au courant. La police dans le pays d'Haïti même, dit nous, fais prier nous, t'en prie souple, pas nommer non Claude Joseph. Qui est-ce qui voyait, qui payait tout yé Jovenel Moïse? Pour qui ça, yo tout yé ancien patron agricole là? Pendant question ça, yo a quand pile l'autre. A piche connaît l'esprit peuple haïtien hein? Messieurs dames politiques yo même bon job fin ouais mort y a bataille pour connait comment y a privé chita sous chaise bourrée avant longtemps rencontre sous rencontre proposition sous proposition nad marinade Johnny Ferdinand Caraïbes FM.